par rapport à un concert plus traditionnel, on va dire. C'est pas tant le fait qu'on soit neuf, je pense, c'est la manière dont on présente le répertoire. Les tunes, on les enchaîne ensemble d'une façon que tu n'entendrais jamais, là, comme le Brahms coule dans Il rentre dans le schnitke. D'adapter une pièce d'orchestre pour notre ensemble où c'est juste des cordes, on enlève c'est inévitable, on enlève un certain nombre de paramètres, puis c'est un peu comme mettre une photo couleur si on la mettait en noir et blanc. Comme on joue avec des micros, on est amplifié, donc ça, le volume sonore est plus grand que si on était juste acoustique, et ça crée une liberté un peu pour le public, je pense. Si tu peux, t'as pas peur de développer ton petit bonbon. Le protocole, bah, il n'y en a plus. Quand tu vas à un concert traditionnel, tu as peut-être 2-3 compositeurs dans un concert. Nous, puisqu'on fait des petites pièces, non, je dirais pas des extraits, mais tu sais, un mouvement de ça, un mouvement de ça, vous allez entendre plein de compositeurs. Comme Bartok, Korolev, Schnitke, Shostakovich. C'est toutes sortes de monde qu'on voit au concert. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui connaissent beaucoup la musique classique et qui viennent voir parce que c'est présenté différemment, puis d'autres qui connaissent pas parce que ça paraît un peu plus le fun peut-être. La merde de voix.